C'est des quatre exercices. Toi, on a un N avec les conditions initiales. Il faut trouver la relation de récurrence qui satisfait l'équation. Donc, même les Jauchi m'ont dit ANH, c'est une solution watatkun égale 0, sans homogène. Donc, nous avons un trois N, sorry, N4 à la puissance N. Donc, je suis la solution. Anna, ordre 3, donc Heider a tiré R3, 7 R2, 16 R, plus 12, c'est la constante. Il y en a R3 moins 7 R2 plus 16 R moins 12 égale à 0. Factorisation. Donc, on a racine double, c'est R égale à 2, et racine simple, R égale à 3. Donc, je solution, ben, des deux constantes, là, 2. Donc, on a 2 à la puissance N, c'est la Heide, ou 3 à la puissance N, c'est la Heide. Donc, c'est alpha 1 plus alpha 2n, 2 à la puissance n plus alpha 3, 3 à la puissance n. Attention, moi, j'ai des les conditions initiales. Les conditions initiales, laquelle là? Donc, on a la condition initiale pour appeler les conditions, l'équation. Donc, moi, je vais faire là. Là, je veux ANP, solution particulière. Je regarde, est-ce que 4, c'est une solution? Là. OK. Donc, on a 4 à la puissance fn. Multiplié par un polynôme de degré 1. Donc, ça, c'est Fn. Je vais faire ANP particulière, parce que polynôme de degré 1, il y en a deux constantes, P0 plus P1n, là, on a le degré 1, fois 4n. Les fois 4n, là, nous, 4n, c'est une racine. Maintenant, racine, donc, on va mettre fois n à la puissance de l'ordre de multiplicité. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer. Anna, je mets là, on va faire étape par étape. Il y a un PL à n-1, on va faire n-2, PL à n-3. Là, on va voir qu'on a un calcul qui est simple. Donc, c'est ANP. OK? Je vais faire l'ANP moins 1. Donc, n-1, P0 plus P1, n-1, 4 à la puissance de n-1. Donc, ça, c'est à n-1. OK? Bien, n-2, c'est quoi? n-2, hon, n-2, hon et n-2. Donc, n-2. Ou bien, on a n-3, donc, n-3. Alors, quand même, je vais faire l'équation initiale. 7 à n-1 moins 7 à n-2 plus 12 plus n-4n. Donc, quand je vais faire n-1, égale 7. Donc, là, il faut la multiplier par 7. Ou là, il faut la multiplier par moins 16. Et ça, c'est par 12. Alors, si vous remplacez, vous pouvez le faire le 4 à la puissance n-2. Donc, je répète, méthode 1, vous calculez, vous remplacez, vous trouvez, je suis fermé à compte. Maintenant, on a 4 à la puissance n-2, 23. Qui veut dire que nous avons un peu de temps? C'est 4n. Sur 4 au cube, je dis un dénominateur commun, il y a une chose qui est bien. Alors, je vais faire multiplier tous les termes. Maintenant, on a une équation. Si je multiplie tous les termes par le même nombre, dans l'équation ZAP. Donc, j'ai décidé de multiplier quel chiffre, fois 4 à la puissance moins n-2, fois 4 à la puissance moins n-2, fois 4 à la puissance moins n-2, fois 4 à la puissance moins n-2. Alors, il y a être moins n plus 2, moins n plus 2. مش موان ان بلس 3 يعني مش عكس هي عم بعملهم لانه بالنهايه هون في دوس كينيتوت 4 موان 3 اوكي اذا هيدا الشيء بشربك تكون عملوا عاده واكيد توصلوا لنفس الريزلتات دونك انا بما انه هي دوزي 4 فوا 3 دونك 4 موان ان موان 2 فوا 4 ان موان 3 صارت شو 4 على بيسانس موان 1 وهنا عندي اصلا فا 12 جدا ملتيبليي ال ان موان 3 فا 12 دونك صارت جيك سامبليفي با 4 بيبقى لي بس 3 يعني هلا الترم الوحيد اللي بقي من ال ان موان 3 ها طاروا وبقي لي بعد 3 هلا ال ان موان 3 لان ال ان موان 2 ها راحوا مع بعض وهون عندي موان 6 موان 6 فا ان موان 2 هون هيدول راحوا مع بعض بس بقي لي 4 وهيدول 4 موان ان مع 4 ان راحوا بقي لي 4 او كاري Donc, là, je fais l'égalité. Donc, AN, je suis l'AN. Donc, là, je suis L. L, là, on a L 4 au carré. Donc, 4 au carré fois PN moins 1, c'est le terme à gauche, égale à quoi? On a 7
a n moins 1, moins 16 a n moins 2, plus 3 a n moins 3. Alors, on va dire ça plus le fn. Le fn, ça, c'est fn fois 4 moins n plus 2. On a multiplié tous les termes par 4 à la puissance moins n plus 2. On va faire la factorisation par p0, par p1n ou par p1. OK, donc elle a passé un exemple parce qu'on P0, je suis le coefficient de P0, c'est quoi? C'est à gauche, c'est 4 au carré. Ou le P1n, quand même, c'est 4 au carré. À droite, elle a chauffé le P0, parce que le P0, elle a raison à bas de L4, donc c'est 4 fois 7, 4 fois 7, 28. بهيدي شو عندي هيدول قلنا راحوا مع بعض كلهم سوا وعندي موان 16 دونك سي موان 16 بي 0 بهيدي شو الكونستانت هون قلنا راحوا مع بعض وراحت الكاتر معهم دونك سي 3 بي 0 دونك هن لي كويفيسيون دو بي 0 بيرجع بروح للبي 1 عندي بي 1 ان وعندي البي 1 لحال دونك اذا بي 1 ان هيدي ال ا دروات سوري ا غوش دونك بديها هون سي بي 1 ان فوا 4 فوا 7 Donc, 28, نفس الشيء 28. هون نفس الشيء P1N, نفس الكالكول, فا موان 16, موان 16. هون P1N, فوا 3, كمان 3. يعني نفس الكوفيسيون طلع لي للـ P1N, وزدته تبع الـ P0. Finalement, là, le P1 على الحل. Donc, P1 كيف عم يطلع معي P1 بالإيكواسيون à droite. عندي موان P1, فوا 4, فوا 7. Donc, موان 28. P1 فوا موان 2, قد هي موان 2 P1. Ou fois moins 16, donc moins 2 fois moins 16, c'est 32. Ou finalement, 3 P1 fois 3, moins 9. Sorry, moins 3 P1 fois 3, moins 9. Ou, moi, je vais vous donner le Fn, qui est multiplié par 4 à la puissance moins n moins 2, il est plus 16. Yani. Égalité, polynôme égal à un autre polynôme, il y a une constante, les états, ou coefficient de P1, de sorry, coefficient de n, comme nous avons. Donc, nous avons un بالنسبة للكونستانت، بالنسبة للكونستانت عنا 4 أو كاري فا P0 ومن جهة تانية هون شو عنا؟ P0 فا 88 هون ما في كون، هون سي كويفيسيون دو 1 سوري هيدي كلها طلعت معنا 15 عم نعمل كالكيول، سا سي 15 وسا سي موان 5 دونك نجا عندي هون 15 بي 0 وهيدي قلنا بسي موان 5 موان 5 بي 1 إيجال أكوا 16 بي 0 جيبوا ال 15 بي 0 لتاني مال رح تصير بي 0 دونك سي بي 0 سي موان 5 بي 1 هيدي بالنسبة للكونستانت هلا بدي الكوفيسيون دو ان هون من جهة إذا بدكم عندنا كمان 16 بي 1 سا سي الكوفيسيون دو ان à gauche de l'équation هون عندي 15 بي 1 ان 15 P1N ou 16 P1N, la hijab à P1, donc le coefficient au P1 baisse à gauche. Ou à la honte, je vais faire 4 au carré, qui est le coefficient de N. Donc P1 c'est quoi? 16. Donc à la honte, le P1 c'est 16. P0 c'est 16 fois moins 5, il est moins 80. Donc on remplace, on a un P. Donc je suis sur ça de la N, que la sauve. Honte, bah, ma chose, il faut résoudre alpha 1, alpha 2. Comment on doit les alpha 3 aussi? Comment on va des trois inconnus? Bah, ici, on a un système de trois équations à trois inconnus. On a trois inconnus. On a la condition A0, A1, A2. Donc, on va faire le système. Donc, A0, c'est moins 2. Donc, on a moins 2. On va partir. On a 0. Ça, c'est alpha 3. On a 16. On a 1. Donc, on va partir. On a alpha 1. Plus alpha 3 moins 80, hein, est le moins 2. Donc, ça, c'est la première équation. Il y a alpha 1 plus alpha 3, c'est 178. La 1, c'est 1. Sorry, c'est 0. Ma fille a 1. Donc, ça, A1, c'est 0. Donc, maintenant, on a la 1. Donc, on s'arrête alpha 2 plus alpha 1 fois 2. On a un alpha 3 fois 3, moins 80 plus 16 fois 4. Quand même, après, il y a le calcul. Il y a la simplification de cette équation. Ou finalement, bah, on a l'A3, sorry, l'A2. L'A2, c'est quoi? Et l'équation,
راح تصير هايدي. Donc vous remplacez on est là à deux et pour la A2 bah directement Rafa Jaweb. Donc un système trois équations à trois inconnues. Donc vous pouvez le transformer en système deux équations à deux inconnues. Comment? Quatre fois la deuxième équation moins la troisième. Le 8 moins 8, 0. Vous tirez l'alpha 2. Donc, c'est le système ma alpha 1 ou alpha 2. Donc, il y a les calculs. Je vais vous expliquer. Mais si on a alpha 1 ou alpha 2, donc j'ai la solution finale de 1. Et ça m'a connu, si on a la vérification, il y a un A0, il y a un A1, il y a un A1, il y a un A1, il y a un A0, il y a un A3, il y a un A5.